Vous êtes sur Radio GMT, c'est l'heure de la belle émission. Épisode numéro 3, me semble-t-il. Non, c'est ça. C'est ça ? Bonjour. Un petit peu de participation de la part de mes deux collègues, s'il vous plaît. Bonsoir. Merci Adrien, bonsoir Adrien, bonsoir Eric. Salut. Alors, aujourd'hui, on va parler de la suite de ce qu'on a parlé la semaine dernière, c'est-à-dire Imen Records. Et ouais. On est d'accord, vous vous souvenez de la semaine dernière, le truc qui faisait grincer des dents là, qui était un peu dark et tout. Bah on va continuer là-dessus. On poursuit, ouais. Oui, mais on va remonter vers la lumière. Ça, oui, ouais. Ça sera un peu moins dark. Un peu plus mélodieux. Un peu plus mélodieux, exactement. Alors, bon, comme d'habitude, hein, on va commencer par les sons qui bougent. Ouais. Les sons qui font bouger le boule. Qui c'est qui commence? Ah bah c'est moi qui commence aujourd'hui, oui. Allez c'est moi. Allez. Alors moi je vais vous passer un... Monopolise. Je commence par monopoliser l'émission, voilà. Alors du coup moi je vais vous passer un petit son d'un mec qui s'appelle Nathan Fake. Nathan Fake sur Border Community, et d'ailleurs ça sera la prochaine émission, on les fera sur eux. Ah, du spoil ça y est. Donc c'est, ouais voilà, on commence par spoiler directement. Donc c'est un son qui s'appelle Arsner, Nathan Fake, des synthés un peu bizarres, des trucs lofi hein, fait avec des trucs en carton à l'arrache, mais ça sonne du feu de Dieu. Alors bah vas-y, bah on va commencer avec ce son. Donc c'est Arsner de Nathan Fake, c'est parti. Thank you.
c'était Art Snare de Nathan Fake. Le son a bugué à la fin, non? Non. Ah, ce vieux troll des familles. Ah, franchement, c'est pas ah, très c'est bien. Ah, c'est de la musique. Pardon. Ah d'accord, toi tu commences l'émission comme ça, bon d'accord, alors vas-y, bon ok. Non mais j'aime bien, j'aime bien. J'ai bougé mon boule, tout va bien. Ah, ouais, bah ouais. Ça promet pour la prochaine. Hein. Ouais, c'est clair. Pas mal. Voilà, oh. j'ai envie de dire. Et puis Eric, je te dirais bien aussi. Voilà. Bon, ouais, c'était facile. Bah merci, ouais, c'est facile. Ouais, c'est gratuit. C'était un peu gratuit. Alors, qui c'est qui passe en son après? Bah, je suis chaud, vas-y, on peut continuer avec une pointe de féminité dans ce monde de brutes. Et oh, c'est voilà. Beau, c'est pour beau. Cela, j'aimerais vous parler de Toki Monsta. Toki Monsta, qui est une productrice et DJ américaine, qui a un peu fricoté avec le label Brainfeeder, avec Flying Lotus. D'accord, elle a fricoté avec Flying Lotus. Ah, c'est ça, pas très bien dit. Je ne sais pas. C'est pas super bien dit. Hein. Cela ne nous regarde pas. Ouais. C'est enfin, comme ça qu'elle a réussi, bravo. Elle a fait... Non, elle fait quand même du gros son. Et du coup, voilà, là, c'est un EP qu'elle a sorti il y a quelques années qui s'appelle Cosmic Intoxication. Et voilà, le son s'appelle Let Me Trick You. C'est plus abstract, hip-hop, un peu electronica, mais c'est bien plaisant. Voilà. Ok, bon, on écoute ça. Alors, c'est Toki Monsta avec Let Me Trick You. C'était Toki Monsta avec Let Me Trick You, le son d'Adrien. Yep. Et c'est bien cool. C'est super cool, ouais. <C'était>... Merci. Non, ben non, quand c'est bien, il faut le dire. Voilà, voilà. C'est chouette, c'est chouette. Au bout d'un moment,
Allez, on passe à Eric qui va passer un truc vachement moins cool du coup. Non mais alors, le son que j'ai trouvé, juste magnifique. Magnifique. Ah bah, si tu le dis, j'ai envie de dire... Ah, c'est pas banal ça. Ah. Oh. Alors, faut qu'on vous dise, on a cherché plein de samples, du coup on va les passer tout le temps, ça va être n'importe quoi. Bon. On va arrêter de parler. On va se limiter sur les samples quand même, c'est vrai. Allez, parle-nous de ton son, Eric. Eh oui, alors, bon, vous connaissez Prefuse 73. Ouais. Vous connaissez Machine Drum. Ouais. Voilà, ils ont fait un son ensemble. Waouh, wow. Incroyable. C'est merveilleux. Si, c'est merveilleux, franchement, c'est beau. Et du coup, ouais, donc le son, il s'appelle The Only Scarf. Et c'est sorti, en fait, sur le SoundCloud de Yellow Year Record, donc qui est le label récemment lancé par Prefuse 73. Ouais. Et donc c'est un son qui n'a jamais été... commercialisé ni rien. Ils lui ont juste ressorti des archives. Je sais pas de quand date le son, en tout cas il est paru sur SoundCloud, du coup c'était en mars 2014 je crois. C'est un petit trip entre deux, production... Non, rien à voir. D'accord. Son, ça, cause, cause. Ah oui, on voilà. Parle de ça. J'ai pas pu m'empêcher. Non, écoute, ils ont fait un son ensemble. Voilà. Ok. Cool. Ok, bah du coup, on écoute ça, on enchaîne sur le son. Hein. On va pas tergiverser 10 ans. Ah, c'est une petite basse qui reste dans la tête, c'est sympa. Hein. Allez, bah c'est parti. Allez, Prefuse 73 et Machine Drum qui font un son qui s'appelle The Only Scarf. C'est parti.
C'était Prefuse 73 et Machine Drum qui font un petit duo. Un petit duo sympathique, ma foi. Ouais. Bien cool, ouais. Et ce qui est cool, ouais, c'est que t'as vraiment l'univers des deux artistes dans la track, entre les cuts de Prefuse et... La base de Machine Drum et avec et les drums de les drums aussi, ouais. Ouais, c'est assez sympa, c'est pas mal, ouais. C'est tout ce que tu voulais lire là-dessus Ouais, ouais. Ok, bah c'est cool alors. Bon, bah du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au vif du sujet, pardon. On va reparler de Hyman Records. Hyman hein, le label allemand un peu dark. Ah, plutôt dark. Pas ouais, mal plutôt, dark, ouais. Plutôt dark, ouais. Ouais. Des gens pas contents. Si, si, on a eu, ils sont contents. Enfin, pourquoi tu dis ça? Bon, bref. Non, mais surtout, tu regardes Eck, il a pas l'air violent. Hein. Ouais, ouais, non, c'est clair. Ouais. Mais ça, souvent, les artistes, ils font un son qui n'est pas forcément en corrélation avec peut-être leur attitude dans la vie. On peut faire lancer un truc. Non, ouais, là, on peut. Débat. Grosse réflexion, là. Ouais, mais. Énorme. Pas de généralité. Voilà. Hein, oui, ne dure là, non, non, pas. Voilà. Alors, bah, du coup, je vais commencer, moi, par vous parler d'un artiste qui s'appelle Nebulo. Qui est sur donc Hyman. Alors Nebulo, c'est qui Nebulo? C'est en fait un mec qui s'appelle Thomas Pujol. Donc déjà, ça vous met la puce à l'oreille. Le mec vient de la Dordogne, quoi. Oh, la rockstar. Non, ça c'est... Bah, bref. Oui, donc ouais, c'est un gars du sud-ouest qui fait, bah, qui est en fait un Français super influent de l'IDM. Bah, de toute façon, il est sur un gros label allemand. Voilà, il y en a pas... Je pense pas qu'il y en ait des millions de mecs comme ça... En France, qu'on réussit à se développer autant que ça. Sur la scène IDM ? Ouais, sur la scène IDM. Ouais, dernièrement, il y a Hawker, qui est pas mal renommé aussi. Ouais. Mais, ouais bah, disons que lui, c'est une pointure, ouais, vraiment, ce qu'il fait. Ouais, c'est ouais voilà, c'est ça. Oui. C'est pour ça qu'il est signé sur Hyman. Voilà, ouais, voilà, il n'y en a pas énormément, et du coup, c'est cool d'en parler. C'est vraiment bien. Mm. Du coup, alors lui, il a sorti son premier album sur Hyman, qui s'appelle Kolia, en 2006. Ensuite, il a enchaîné avec un album tous les deux ans, en gros. Il a fait Avutma en 2008, Artefact en 2010. Après, il a fait un album avec un pote à lui qui est français aussi, qui s'appelle Drudrak, de son vrai nom François Dumont. Et ensuite, il a fait... Alors, les premiers albums, c'est plus ambiante. Là, on... Autant la dernière fois, on parlait de sound design, de son très travaillé et tout ça. Là, je trouve que Nebulo, c'est quand même plus planant. Et plus de synthé un peu sale et tout. C'est un son IDM vachement plus classique. Ouais, on se rapproche plus de l'IDM des débuts, quoi. Du coup, ensuite, il a sorti un album qui s'appelle Castles, que moi, personnellement, j'ai adoré. Vraiment, très très bon album. On va passer un son tout à l'heure de cet album. Alors, fait un petit peu rigolo, c'est que ce mec, il aime bien les cassettes audio. C'est un fan de cassettes audio. Et sur un autre label que Hyman, sur Stomaxine Records, ils ont sorti, eux, sur Stomaxine Records, ils sortent tous leurs sons sur des cassettes audio, en fait. Donc, c'est assez marrant, quoi. Enfin, moi, ça m'a fait marrer, personnellement. Bah, c'est assez original, quoi, actuellement. Ouais. Après le vinyle, le renouveau de la cassette, ouais, quoi. Voilà, ouais. Vive le rétro. C'est Et lui, souvent, en fait, il passe ses sons, ses samples et tout dans des cassettes, quoi. Il réenregistre pour voir le grain de la cassette. C'est bon, voilà. Pas mal, bon trip. Ouais. J'ai écouté cet album, ouais. C'est bizarre, mais c'est sympa. Ouais, c'est spécial, mais c'est sympa, ouais. Donc voilà, donc Nebulo, Dark IDM, de l'ambiance, de l'indus, c'est toujours en même optique du label, quoi. Alors lui, comment il fait pour faire ses sons? En fait, dans son interview, il raconte qu'il enregistre genre une chanson par jour. Enfin, une track de 2 minutes, quoi, qui fait un peu dans la journée, tranquillement. Et une fois qu'il a une trentaine de morceaux, bah, il les assemble, il voit ce que ça peut donner. Puis après, il envoie ses idées au gérant du label, qui s'appelle... Stéphane Halt. Merci Adrien, Stéphane Halt. Et qui lui fait un retour, et généralement, c'est bon. Et ça se passe bien. Généralement, c'est ouais, c'est cool. C'est ce qu'il raconte. Ou du coup, le son, on l'entendra jamais, parce que c'est nul. Ouais, voilà, mais ça il le dit pas. Évidemment. Du coup, bah, on va se passer un premier son de ce monsieur. Donc, on va se passer un son qui est sur Castles, qui s'appelle Seal. Et donc, vous allez voir avec une espèce de basse un peu drone, bien sympathique, qui remue le fond de l'oreille. Elle est vraiment trop bien, cette basse. Ouais, elle est vraiment trop bien. Addict de la basse, quoi. Ouais, c'est ça. Allez, on s'écoute du coup Seal de Nebulo. C'est parti. Thank you.
Voilà, on espère que vous avez mis le son bien fort hein, pour cette petite basse drone bien sympathique, ma foi. Ouais, et ce ouais. petit kick aussi. Ouais, le petit kick techno un peu sympathique. Ouais, c'était Seal de Nebulo. Donc, quoi dire de plus sur Nebulo ? Nebulo, il a fait pas mal de remix d'autres mecs qui sont sur Imen Records. De toute façon, ils se remixent tous entre eux. Il hein. y a beaucoup d'artistes qui ont remixé. Oui, c'est, gars, c'est ouais. comme ça qu'on sert les labels souvent. Au sein du label, ouais, bah ouais. Ouais. Pour se faire de la pub et tout, c'est cool. Du coup, lui, il a remixé Architect, dont on parlera pas. On en parlera peut-être un peu à la fin de l'émission, là. Il a Ginormous, qu'on présentera tout à l'heure, Plek et Ek, dont on a parlé la dernière fois. Re-écoutez l'émission d'avant hein, si vous voulez en savoir plus sur Ek. Tu voulais dire un truc sur Ek, Eric ? C'est un truc que j'ai pas dit la semaine dernière, mais ouais. Du coup, lui-même s'était fait remixer par Fun Karma qu'on avait parlé du coup dans la toute première émission. Donc réécoutez aussi la première émission, réécoutez tout, hein, enchaînez les trois émissions d'affilée, ce sera beaucoup plus cohérent. Ça m'avait fait marrer, ouais. Fun Karma, ces gens sont partout. Ouais, ils sont extrêmement présents. Ouais, tellement de projets. C'est tellement un complot. De... Ouais, c'est un complot. Exactement. Alors bon, bah, on va passer à un deuxième son de Nebulo. Allez, vas-y. Allez, c'est parti. Du coup, on va passer à un morceau de l'album Cardiac, qui est un album avec plus de rythmique, un peu bizarre et tout. Il avait voulu. Mais c'est concept, non, Cardiac. Il y a pas un truc sur justement les battements de cœur. Ouais, il y a des espèces de samples de battements de cœur. Enfin, je sais pas si c'est des samples ou s'il a fait des sons qui ressemblent vraiment à des battements de cœur. Mais en tout cas, ouais, quand tu écoutes l'album, ouais, ça revient vachement, quoi. C'est un peu concept autour du cœur, quoi. En gros. Ouais. C'est beau. Et justement, par rapport à ses premiers albums où il s'était vraiment pris la tête à peaufiner les sons un peu, enfin à faire quelque chose d'assez complexe, là il a été plus direct et il a voulu faire quelque chose de plus spontané. Ok. Voilà. Wow. Joliment dit. Du coup, on va écouter ça. C'est Quence de Nebulo. C'est parti.
Vous êtes toujours sur Radio GMT dans La Belle Émission, épisode 3 sur Imen Records. C'était Nebulo avec Quence. Alors je sais pas pourquoi, moi, certaines des nappes de clavier, ça me rappelle un peu Boards of Canada, mais vite fait. Pas forcément sur celle-là, mais il y a un petit côté, justement, la vieille IDM. Ouais. Sur Castles, ouais, il y a un morceau ouais. assez... Vertigo, je crois, c'est Vertigo sur Castles, ah, ouais, avec des, un petit synthé des, qui rappelle... Des sons de synthé analogique chaud. Ouais, ouais, bon, après, en même temps, c'est comme ça que ça sonne, quoi. Ouais. Ouais, bah ouais. Ça la cause, cause. Voilà. Ouais, ouais, ok. Non, mais oui, ouais, je suis d'accord. Du coup, Eric, tu t'enchaînes là-dessus ou qui c'est qui veut enchaîner là ? Non, c'est Adrien. Vas-y, Adrien, pardon, excusez-moi. Allez. Et ouais, bah, du coup, je vais enchaîner avec un autre artiste de Imen, Ginormous. Voilà, Ginormous, c'est le nom de scène d'un musicien américain qui s'appelle Brian Konietzko. Voilà, donc il est arrivé sur Imen en 2006. Il a sorti son premier album à cette époque-là. Puis il a sorti après 3 autres longs formats. Et le dernier date de 2010. Donc voilà, c'est pareil, lui, c'est de l'IDM. Alors par contre, ça change un petit peu de ce qu'on a écouté jusqu'à présent. C'est plus mélodieux, quoi. Il y a pas mal de... Il utilise des nappes, pareil, un peu atmosphériques. Ça donne un côté organique à la musique. Donc c'est moins trash et noisy. Ah, c'est pas banal, ça. Voilà, c'est... par rapport à Imen, c'est pas banal, on peut le dire. Et on est plus proche de la thématique du voyage. Donc là, ça va, on va un peu aérer, tu vois, on va pouvoir décoller. Thématique du voyage qu'on avait déjà vu dans la première émission, d'ailleurs, ouais, je me rappelle sur Standing Orbs, hein, qui était vachement axé sur le voyage. Ça peut se rapprocher de ça. Après, c'est moins, je trouve, l'album, ça part un peu plus dans tous les sens que, tu vois, Standing Orbs, où tous les morceaux, il y a une structure au niveau de l'album, ouais, là, c'est un peu plus dépareillé. Voyage onirique ou voyage géographique, tu dirais ? Voyage épique. Voyage épique, d'accord. Une épopée ? Une épopée épique. Parfait. Et enfin voilà, donc du coup, c'est quand même l'aspect un peu plus mélodieux de Imen, quoi. Ouais. Et bon, mais on peut s'écouter donc un track de son premier album de 2006. Eric, tu veux dire quelque chose ? Bah, que c'est vrai que Imen, du coup, dernièrement, je trouve qu'ils ont un peu plus d'artistes, ils se diversifient un peu plus avec le temps qui passe. Ouais, le son a bien évolué et c'est moins cantonné à des trucs dark, trash. Voilà, ils s'ouvrent un peu plus, c'est vrai. Ils suivent l'évolution musicale, c'est bien, quoi. Ils progressent. Ouais, ils se tiennent au courant de ce qui se fait. Voilà. Non. Ouais, et les gens ont peut-être marre aussi de faire toujours. Non, mais ils sont tous devenus fous, en fait, avec les sons un peu trop dark et trop vénères. Je lisais une interview de Stéphane Halt, il disait que voilà, ils avaient à la base, c'était leur credo, c'était dark ambient et tout, mais ils sont pas figés là-dessus, quoi. Ils suivent l'évolution musicale des artistes qu'ils ont signés, donc c'est bien, quoi. Ils prennent ce qu'ils aiment, quoi. Ils évoluent et puis ils prennent ce qu'ils aiment, tout à fait. Et donc ils ont pris Ginormous, qui a sorti cet album Endless Procession en 2006, et on va s'écouter maintenant Begin with the End in Mind. C'est parti. Begin with the End in Mind de Ginormous, c'est parti. Thank you.
êtes toujours dans la belle émission sur Radio GMT. Et c'était Ginormous avec Begin With End On Mind. Alors Adrien, tu nous disais que c'était vachement plus mélodieux. Ouais, alors. Ah ouais. C'est son premier album sur Imen, ouais. C'est pas le plus mélodieux. D'accord. Je suis d'accord, là, c'est un corps très gras au niveau des beats et tout. C'est au début, il devait s'intégrer le mec. Voilà, c'est ça. C'était plus dans la dynamique du label. Ouais, vous verrez, le prochain son est plus mélodieux. Mais là, c'est vrai. Tu nous parlais d'un retour vers la lumière. Ça arrive. Dans un second temps. Blague à part, il y a des très très beaux sons de guitare saturée dessus. Oui, d'ailleurs, sur cet album, c'est un guitariste, monsieur Brian Konietzko. Et du coup, il a enregistré des instruments live de guitare et il y a que ça. Enfin, il utilise. Ces enregistrements majoritairement pour faire, il y a pas de synthé après, c'est plus de la guitare, c'est vachement organique comme son au final, et l'organisme un petit peu, puis ça arrive, tu vas voir dans le second album. À savoir que oui, je le dis au passage, ce monsieur, en fait, c'est même pas, il est musicien, mais sa première fonction à lui, c'est pas d'être musicien, c'est qu'il est coproducteur d'une série animée qui s'appelle Avatar, le dernier maître de l'air. Voilà, je le dis au passage. Ils en ont fait un film d'ailleurs. Le film, c'est Avatar ou pas du tout? Non, film, c'est le dernier maître de l'air. Bon, le film, c'est un blockbuster, je pense, je l'ai pas vu, mais à mon avis, c'est un peu, ça vaut pas grand chose. Juger sans voir, je l'ai pas vu, mais c'est nul. Je dénigre facilement. C'est vrai. Franchement. Mais tout ça pour. Oh! Bien placé. C'est vrai, bien placé, j'avoue. Mais du coup, tout ça pour dire que c'est un peu un side project et que voilà. Étant un side project, c'est quand même bien foutu, quoi. Je veux dire, le mec a de la ressource. Et donc, pour monter vers la lumière, comme tu disais, on va écouter maintenant un album qu'il a sorti en 2008 qui s'appelle At Night Under Artificial Light. Voilà, on est plus lumière, ça colle. Et donc, c'est son troisième album sur Imen, et on peut s'écouter maintenant A Corridor Leading to Modern Space. Allez, c'est parti, Ginormous, Corridor Leading to Modern Space, excusez-moi. Adrien disait mieux. Tout de suite. Oui, tu veux le redire, Adrien, parce que là... Grazie mille. A Corridor Leading to Modern Space. Non, c'est nul. Allez, c'est parti, écoute ça. Dit en roumain, là. Allez, je vous coupe vos micros. Voilà, chut.
C'était Ginormous avec A Corridor Leading to Modern Space. Ça va cette fois que j'ai bien dit ? Yes. C'était un peu... Non mais tout à l'heure, Adrien, la première fois, il avait une voix hyper suave, c'était vachement bien. Vous me faites peur là-bas, dans le petit studio. Tout se là. Passe bien. Ok, mais c'était sympa en tout cas, et alors... Un petit retour vers la lumière, vous trouvez Un petit peu, après tout est relatif. Plus léger. Ouais, plus c'est léger. Plus léger, ouais, voilà. Plus léger, et sachant, juste un dernier truc, c'est qu'il a, voilà, il a sorti un dernier album, et non pas sur Imen, mais sur la maison mère, sur Anzen, ouais. En 2010, qui s'appelle Sound of Love Impermanent. Et là, pour le coup, c'est carrément plus ambiante, et voilà, d'autant plus. Enfin, il a évolué dans ce sens-là, là, c'est encore plus le voyage, et très très bon album aussi, quoi. Je recommande. Ok, on écoutera voilà, ça. Voilà. Ça a l'air assez varié, en tout cas. Et oui, ouais, et alors. Le son, là, était quand ouais, même... capacité du monsieur à se renouveler. Assez exceptionnel. Ouais, ouais, ouais. Ouais, deux sons assez différents, ouais, ouais, cool. Dans la même veine quand même. Ouais. Sympathique. Voilà. On enchaîne sur Eric qui va nous présenter. Tu nous présentes qui, Eric, déjà ? Bah, gentil petit monsieur. D'accord. Non, ah ouais. oui. Bah oui. Ah oui, ça y est, je me rappelle. Et oui. Oui, on va replonger dans, ouais. dans les ténèbres. Et voilà. Et donc là, oui, on commence à remonter vers la lumière et là, paf, on va descendre dans les rechute, abîmes. Rechute, quoi. Ouais. Ouais, dans les tréfonds. Ouais, mais restez quand même. Non, ouais, du coup, on va parler de Diffrag. Et donc, Diffrag, donc, c'est un mec qui s'appelle Jeff Dodson, qui est né en Angleterre, qui a pas mal bougé, mais qui, je crois, est installé à Los Angeles en ce moment. Donc, voilà, il a commencé la musique dans les années 90, au début. Il faisait de la très très bonne trance, évidemment. C'était la période en même temps. Bon, il en est pas très fier aujourd'hui de ce qu'il faisait à cette période-là. La trance dans le style... La boule magique. Ou pas. Ouais, ouais, mais... Ouais. Après, je sais pas, hein, y a aucune trace de ce qu'il faisait à l'époque. Hein. Ah, d'accord. C'est vraiment ses balbutiements dans la musique électronique, quoi. Et parce qu'il était donc fan de The Orb, de Prodigy, d'Orbital, enfin voilà, de ouais. Toutes les mouvances Big Beat et tout ça. Bon, voilà, gros son de l'époque. Et, mais après, sérieusement, il a fait de la musique d'abord avec un pote à lui qui s'appelle Matt Flego, dans un groupe du coup qu'ils avaient tous les deux qui s'appelait Defragmentation. Ah, d'où le nom, non ? Et d'où le nom, en fait. Ouais. Le nom, c'est, je crois que c'est les fans en fait, du groupe. Qui après c'était un peu long, du coup ils ont raccourci en Diffrag, et puis lui après il s'est dit ah c'est trop cool en fait. Ça devait être des fans Diffrag. Super intelligents. Oh attends, c'est trop long comme nom, on va juste mettre Diffrag. C'est trop compliqué. Non, et donc, avec son pote sous le nom Defragmentation, ils ont sorti un album qui s'appelle Self Construct en 2002. Mais d'après ce que j'ai compris, ils ont eu de graves problèmes avec leur label de l'époque qui s'appelle Invisible Records. Des problèmes de contrôle parce qu'apparemment ils voulaient faire un autre album, mais du coup le label disait non, faut faire ça comme son. Enfin voilà, c'était, il y avait aucune liberté artistique ouais. Ni rien. Ouais, il fallait faire de la boule magique en gros quoi. Ah, je sais pas, ah. Mais. Alors, faut pas ce qu'ils voulaient quoi. Par contre, faut qu'on explique, hein, la boule magique pour nous, c'est les sons dance voilà, qui font bouger les boules, qui... sinon les gens ne vont pas comprendre. Oui, en même temps, ça veut tout rien dire aussi. Oui, oui, non, mais voilà, bon, c'était juste histoire de remettre dans le contexte. Et non, parce que eux, leur musique, enfin Defragmentation, ça restait assez hard quand même. Il y avait de la guitare saturée, pas mal de breakcore, c'était quand même déjà bien violent. Et donc, je sais pas, il devait aussi avoir des histoires de contrat, pardon. Et du coup, bah, tout ce qu'ils ont pu faire, c'est se dire bon, bah, on va chacun de notre côté. Pour faire la suite quoi. C'est ça qui a amené les deux à se séparer. C'est ça ouais. Ça marchait plus. Voilà, ils ont pas fait d'album du coup et, okay. Et tant pis. Donc lui il a continué en solo sous le nom Diffrag et il a sorti un premier album en 2009 sur Imen donc qui s'appelle Lament Element. Gros classique. Gros classique. Et donc voilà, bon bah c'est assez sale hein. Lui c'est vraiment drum and bass, breakcore, dubstep. C'est vachement bien foutu donc c'est un passionné de Lovecraft, on peut dire. Je sais pas, vous connaissez Lovecraft hein, oui, on connaît Lovecraft. Je fais pas une Toulouse, présentation. Toulouse, tout ça, voilà. Bon. Voilà, donc on est vraiment dans une ambiance qui fait peur. Dessus, t'as pas mal de samples de films d'horreur. Ça a mélangé à des énormes beats et des nappes de cordes. C'est plutôt sympa. Bah, je propose qu'on s'écoute un premier son. Allez, on va faire ça. Ouais, ouais. On enchaîne, parce que là, les énormes beats... voilà, ça devient dissident. Ouais, c'est gras.
Excusez-nous. Allez, donc, vas-y. Ouais, donc on va passer son tube de l'époque qui s'appelle Long Horrible Shadow, non ? C'est ça. Ouais. Shadows. Shadows, excuse-moi. Voilà, bon, c'est pas fin. C'est le pas dit tout de suite. C'est le retour vers les ténèbres dans ouais. La belle émission. Allez, on écoute ça, Diffrag avec Long Horrible Shadows. Casting long, horrible shadows. Petit changement d'ambiance dans la belle émission. Voilà, là on s'est un peu énervé là. Ça fait du bien en même temps. Ah ouais. Ça défoule. C'est court mais intense. Ça diffrague, j'ai envie de dire. Ouh, ouais, joli. Non ouais. Voilà. Du coup, ouais, c'était Long Horrible Shadows par Diffrag. Ouais. Du gros son. Ouais, là c'est gras. C'est... Du gros lourd, ouais. Ah, ouais voilà, j'ai vraiment passé celle qui fait mal, quoi. Mm-hmm. Alors d'ailleurs, en parlant de son gras, est-ce qu'on fait une petite divergence, une petite. Est-ce qu'on parle d'autre chose un peu. J'ai envie de parler d'Emon Tobin, le concert Two Fingers de vendredi dernier. Ça vous dit pas ? Eric fait des grimaces, il a pas eu tout envie, mais t'inquiète pas, on va revenir sur Deep Rock. Ouais, alors. Voilà, qu'est-ce que tu veux en dire ? Ah, bah, je veux en dire que voilà, on a eu des avis un peu différents les uns des autres. Du gros son, Emon Tobin en live, ça pète. Ah, ouais, d'accord. Tabasse, ouais. Ça envoie du gras. Et alors, petite déception quand même pour Adrien, il faudrait que tu nous en parles. Comment dire ouais, j'ai pas vraiment apprécié, quoi. Non, mais. C'est pas le show en lui-même, hein, c'est Two Fingers. Bah ouais, c'est du gros, bon, c'est bien foutu, hein, mais pour moi, c'était un peu surenchère, quoi. C'était un peu trop. Il y a beaucoup de gens qui ont vu le live voilà, d'avant, Isam, qui était un truc incroyable avec des effets visuels. Ouais. Mais c'est que ce projet, Two Fingers, il est vraiment sur un son très caractéristique, voilà, qui fait bouger les boules, mais en. C'est trop facile pour lui, quoi. Oui, voilà. C'est que le mec, il est capable de. Oui, voilà, après, c'est pas Amon Tobin à son top, à mon avis. C'est plus fait pour danser, dance floor, soirée. Oui, mais on y allait pour ça.
Voilà, tout le monde y allait pour ça. Moi, je pense que c'était bien. Ouais, mais après, pour ceux qui aiment Two Fingers, effectivement, il a fait le taf. Hein, ça, je dis pas le contraire. Hein, oui, ça, c'est clair. Ah, il a envoyé l'ambiance. Hein. Voilà, c'est la petite aparté, Eric, tu peux reprendre. Voilà, merci. Je suis pas du tout chamboulé. Je suis vraiment désolé, Eric. Bon. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Et donc, Lament Element sur Imen en 2009. Et à partir de là, du coup, il a créé une boîte de post-production. Pour manger, j'imagine. Donc, BO de films, des trailers, musique de pub, quoi. Mais quoi qu'il est, il est quand même assez impliqué dedans. Il a plusieurs amis. Parce qu'il a fait une école d'art et tout. Il a des connexions, quoi. Ouais, tout à fait. Et en tout cas, il est revenu longtemps après, mais il est revenu en 2014 avec un second album sur Imen qui s'appelle Drone, cette fois-ci. Comment tu l'écris, parce que... D-R-O-W-N. Ah, Drone. Drone. Et donc, il a un peu changé. C'est assez subtil, mais il y a des changements dans sa musique, notamment donc, l'utilisation d'analogique. Il en a fait beaucoup plus. Et j'ai pas envie de dire qu'il s'est posé, mais ses sons sont... plus travaillé, moins... C'est moins brut de décoffrage, en fait, ouais. Moins rentre dedans. Et on reste toujours dans un dubstep breaké, en quelque sorte, quoi. Mais oui, beaucoup plus de travail sur les sons, sur les drums et tout ça. Il a repris ses thématiques d'horreur et de Lovecraft, c'est parce qu'il aime ça. Mais là, il s'est concentré sur l'aspect Lovecraftien des abysses. Vous savez que Lovecraft, c'est un grand fanat des hommes-poissons. Oui. Les hommes crabes, les hommes poissons. Les hommes crabes, les hommes poissons, hein, tout ce qui est un peu crustacé. Voilà. Alors, comment il peut faire passer ça dans la musique, là ? Il va falloir que tu nous expliques. Une bonne bouillabaisse, c'est simple. Non, dans la musique, du coup, la l'album. Brandade de Moru, quoi. L'album, il suit vraiment un cheminement. Tu commences avec des sons qui sont quand même assez proches de ce qu'il faisait avant. Ouais. Et, mais justement, la chanson que j'ai choisie, c'est un peu le pivot parce qu'elle s'appelle Entering the Abyss. Oui. Et après t'as genre aussi un triptyque, t'as trois parties, ça s'appelle Abyss 1, Abyss 2, je crois. Ouais, un peu concept comme album. Ouais, pas trop non plus, mais bon voilà, il a glissé. c'est pas non plus hyper intellectuel quoi, mais c'est plus marqué peut-être l'influence du coup, tu veux dire, ou de Lovecraft. Non, c'est pas forcément plus marqué, mais c'est un autre aspect de Lovecraft. Ouais, voilà, il s'est concentré vraiment sur côté abyss, quoi. Pas juste un truc d'horreur, machin, etc. Et c'est vraiment concentré, ouais, sur une ambiance. Ok, ça marche. Bah du coup, on écoute ça. Bah oui, vas-y. Allez, c'est parti. Entering the Abyss. Entering the Abyss de Defrag, un son sur les poissons. We'll be right back.
Vous êtes bien sur Radio GMT, c'est Entering the Abyss de Defrag, dans la belle émission. Une ambiance abyssale un petit peu, non? Oui, ça oui, marche, oui. Ça marche, oui, oui. Ça marche. Pas forcément les poissons, mais l'abysse, ouais. Oui. Je crois que c'était le but, bon, parce que ça marche. C'est pas un son sur les poissons. Oui, non, bon, on en a rajouté un peu, bon, il faut... Hein. Donc voilà, mais on a présenté tous ceux qu'on voulait présenter du label. Je propose qu'on parle un peu des autres artistes quand même, vite fait. Ouais, c'est-à-dire que voilà, il y a quand même un énorme roster sur Imen. Donc là, on, voilà, on vous a présenté 6 artistes. Moi, je voulais juste te dire qu'il existe des compilations d'Imen pour ceux qui veulent avoir un petit aperçu avec d'autres artistes. Juste rapidement, une première compilation qui est sortie en 99 qui s'appelle Tech Noir. Voilà, une deuxième en 2002 qui s'appelle Masonic et une troisième en 2009 qui s'appelle Miwok 12. Où là, voilà, ça fait. Bah, c'est des, généralement, c'est en 2 albums à chaque fois. Et donc, voilà, vous avez un aperçu vraiment de ce qui se fait. Donc, il y a d'autres mecs que là, on n'a pas eu le temps d'évoquer, mais qui sont super importants sur le label, comme par exemple Architect. Ouais, qui est là depuis. Lui, il est très présent. Hein. Voilà, qui est là depuis le début. C'est un pote à Stefan Halt et qui a fait beaucoup de choses. Après, qui c'est qui a qu'on pourrait dire. Il y a L'Usine aussi. Qui ouais, L'Usine, ouais, c'est excellent. Hein. Franck Riggio, ça moi j'aime bien, c'est un Frenchie. Un Frenchie. Et voilà, deux Frenchies c'est... sur Imen ouais. Records, c'est et cool. Ouais, quand même, bonne connexion. Représente. Cocorico, j'ai envie de dire. Cocorico. Et voilà, après, ben, il faut voilà, aller checker sur le site, il y en a plein, Anduser, Milped, Tonycom. Ah oui, c'est vrai, Anduser aussi a fait un album dessus. Ouais. Qui a gravité sur d'autres labels, mais aussi un album ouais, sur Imen. Ouais, qui est plutôt chez Anosem, il me semble, voilà. Normalement. Mais après, comme de toute façon, il y a beaucoup de connexions entre les deux labels. Voilà. Donc ça mérite d'écouter ça un peu mérite tout ça. Ça mérite le détour. Voilà. Eh bien c'est cool. Eh bien du coup, on va se quitter. La prochaine ouais. fois, on parlera de du label Border Community. Ouais. On peut spoiler un peu, dire qu'on va parler de James Holden, des gens comme ah, ça. Ah oui, Border Community, à mon avis, on voilà. va forcément parler de James Holden. C'est un peu le créateur du label. Bon. De Nathan Fake peut-être Nathan aussi. Nathan Fake, oui. Des choses bien, des choses qui nous tiennent à cœur. Énormément. Tous. Oui. Oui. Même Adrien. Non, non, je tiens à dire que c'est leurs idoles. Hein, donc, ah, bah oui. On est très gros fans de Border Community. C'est du gros son, c'est vrai. Du coup, ouais, on parlera ça la semaine prochaine. Ouais. Mais du coup, oui, il y a un autre artiste qui a sorti un album sur Imen, non? Eh oui, tout à fait, Eric. Un petit inconnu. Alors, il y a un mec ouais, qui fait un peu d'électro, un peu de breakcore, un peu vénère. C'est Venetian Snares. Il a sorti deux albums sur Imen Records. Et du coup, on voulait se le garder pour la fin, passer un petit son un peu de lui. Du coup, il a sorti un album qui s'appelle Doll 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 en 2002 sur Imen. Et on va vous passer un petit son qui s'appelle Doll Maker. Donc, on va se dire au revoir là-dessus. Et ouais. Allez, tout le monde dit au revoir. Dites au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, à la prochaine émission. On écoute Doll Doll Doll, un son qui commence un peu smooth, jazzy. Et qui finit, bah vous allez voir comment on va se quitter là-dessus. Comme du Venetian Snares. Comme du Venetian Snares, exactement. Allez, bonne semaine et à la semaine prochaine. Ciao. Salut.
I fucking murder your young style like John Benet Ramsey. Now. Small interim, the sorry this forest call off was. When I cut your neck, leave a little piece of skin so the head won't fall off. Hold on, sword off, shotgun blast. Thank you for calling the JonBenet Ramsey information line. Please leave a detailed message regarding any information you may have regarding the investigation into JonBenet Ramsey's murder. Also, if you are comfortable, please leave your name and telephone number so that our investigators can contact you for more information. Thank you very much for calling.